Bon, yo tout le monde, je vous allez bien, on se trouve pour une vidéo. Les gars, aujourd'hui, on va aller visiter des Rolls-Royce, ma prochaine voiture. Non, je rigole. C'est une voiture à 300 000 dollars, Il frère. y a des Maserati, Rolls-Royce, comme il y a plein de voitures de luxe. Ouais, ouais. Et les gars, dès qu'on est entré dans le parking du concessionnaire de Rolls-Royce, là, je me sentais tellement attaqué. Ma voiture, c'est une Hyundai, ok? Je dis pas quelle année. Mais comparé à toutes ces voitures-là, je me sens juste. J'ai pas le droit d'être ici, au fait. On n'a pas le droit d'être ici. On n'a pas le droit d'être ici. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? ici, c'est. Regardez, il y a quoi ici? Maserati. Rolls-Royce, Maserati et Karma. C'est quoi ça, Karma? Si ils disent qu'est-ce qu'on fait ici, on dit que. On dit on vient pour l'achat. Peut-être. Bonjour. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut, on peut regarder les autos? Ok, ok, parfait. Elle nous a dit qu'on ne s'assoit pas et on ne touche pas les portes, on ne s'assoit pas à l'intérieur. Il y en a pour rentrer. C'est quoi? Mercedes, qu'on est allé, ils nous ont laissé entrer. La famille qui est derrière nous là, c'est sûr qu'elle va les laisser entrer, visiter les voitures, si toucher. Si les gens rentrent, moi je rentre. Moi, je suis derrière, je rentre. Ouais. Il dit ça, Béjou, il dit toujours des trucs comme ça, mais quand il arrive devant le moment, il va se calmer, genre. Il dit toujours comme ça. Waouh! Yeah. Les gars, ils peuvent toucher la voiture et rentrer. Pourquoi on peut pas faire ça? T'es mon belle? Wow. Elle a dit de ne pas toucher, hein, pardon, on va pas appeler la police sur nous. Elle a dit de ne pas toucher, reste dans notre coin, s'il te plaît. Okay, mais ce que je veux aller voir, c'est là-bas. Non, on va aller voir là-bas, t'inquiète. Est-ce que toi, t'aimes les voitures à deux places? Non. Parce ça dépend, moi, ça dépend, ça dépend desquelles. Parce que moi, je me dis, une voiture à deux places, c'est genre, tu peux avoir toute ta famille dedans. Une voiture à deux places, je prends la chaîne une plus tard, mais quand j'ai déjà une voiture genre familiale, voiture à comme 4 places, 5 places et tout, là, je pourrais avoir une voiture à deux places, attends, juste pour moi, tu vois. Demande genre au monsieur si on peut rentrer parce que la madame était un peu bizarre. C'est une Keren, bro. Demande au monsieur parce que. Ouais, je vais demander, je vais demander. Comment la madame touche là. C'est ça, elle touche la porte, elle rentre et tout. Non, on va voir. Non, en soi, voiture à deux places, je pourrais en acheter une, mais juste pour moi. Comme pour dire que genre. Pour ton. Genre, disons, c'est moi. Toi, ouais. Pour ton plaisir. Moi, ouais, moi et une autre personne, ou juste moi. Puis je fous ta vie bien pour venir ici. Regarde, le gars qui est devant nous, il est en costard, bro. Bisous. Le gars, là, mon âge, il est en costard, bro. Tu connaissais, c'était quoi, Karma? Karma, je connais pas cette voiture. Ouais. C'est que ça? C'est que le prix? Par mois? Je peux l'acheter? Par mois. Plus qu'un loyer. C'est plus que. Moins qu'un loyer. Moins qu'un loyer. Ah, plus taxe. 1000 balles plus taxe. Oh, McLaren, ça si je comptais l'acheter. Ça coûte plus cher qu'une. Attends, je comptais l'acheter. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me fais rire au bout. Les gars, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. J'ai dit je comptais l'acheter. Non, pour de vrai, j'ai vu McLaren sur internet là. Parce que les portes s'ouvrent comme ça, tu sais. C'est des portes papillons. C'est des portes tu sais même pas, tu savais pas. Ça s'ouvre comme ça. Et là, je me suis dit, oh, j'ai envie d'en avoir une. No cap. Ça, c'est une deux. Ça, c'est le genre de voiture de deux places que je pourrais acheter. C'était mon bon, imagine avoir ça dans un garage, bro. Yo! Ça c'est trop beau, bro! Imagine aller chercher mon petit frère à l'école avec ça. Oh, en plus on met des. Et regarde comment c'est sophistiqué, bro. Où? Ici, comme c'est même pas un truc pour bouger, c'est DNR. Ah ouais, on peut qu'à appuyer le bouton, hein. Je viens de chercher avec ça à l'école, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis content, what? C'est ça à combien? C'est ça à combien? C'est plus cher qu'une G-Wagon. C'est quoi ton salaire de plus qu'une G-Wagon? 349 000. Tout le monde a les portes sur ce mur. Ils ont ouvert? Oui. Si, si, ils touchent. Yo! Attends. Oh non, 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 non. Les gars. Les gars. On ouvre aussi, on ouvre aussi. Les gars. La madame va rien faire. Non, 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 attends, attends. Les gars. Ne venez jamais acheter votre Rolls Royce ici. C'est une voiture à 400 000 dollars, bro. Qui va venir? Attends, mais moi, on va demander. Beau. Non, pour de vrai. Pour de vrai, si je peux en acheter une, j'en achète une. Est-ce qu'on va demander au monsieur si on peut rentrer? Attends, monsieur, je vais le demander. Attends, bouge pas, touche pas, touche pas. Monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut comme ouvrir les portes? Non. On peut pas aller dans les véhicules parce que je ne vous en a pas. Comme si on se promène, on peut ouvrir? On a le droit? Pas tous les véhicules. Ok, parce que la madame, on est entrée, elle a dit toucher à rien. On s'est dit ça dès qu'on est entré. Ouais, mais on laisse pas les gens toucher parce qu'il y a des véhicules qui sont barrés, les systèmes d'alarme partent des fois. Ok. Il y a okay, des mais. Gens qui ok. Salient les véhicules, ouais. Ok, mais ceux qui sont ouverts, on peut regarder l'intérieur. Ben oui, ça dépend lequel là. Je peux venir avec vous si jamais. Ok, non, on fait que faire le tour là et on voit parce que dès qu'on est rentré, elle a dit toucher à rien, mais il y a des gens qui touchent. So, on se demandait si on peut toucher aussi ou pas.
Non, ça, comme je vous dis, ça dépend des véhicules. Mais si vous voulez, je peux vous le dire. On rentre, elle nous dit, oh, touche à rien. Dès qu'on rentre. Là, les gars, on est au Big Body. Ça, c'est une Rolls Royce. C'est laquelle? C'est. Attends, attends. Tu te connais en Rolls Royce ou pas? Hein, c'est une Cullinan. On connaît juste Phantom, la Ghost. Ça, c'est une Phantom. Ça, c'est. Bon, on va rentrer. On va rentrer. On va rentrer pion. On va rentrer pion. Bon, ça, c'est une Cullinan, ok? Ça, c'est un Big Body. Bro. Imagine chercher des bijoux avec ça à l'école. Attends, bro. Les gens se coupent. Il n'y a pas le price. Check ça. Va à côté, on va voir la taille. Mais c'est grand. C'est un Big Body, bro. Ça, c'est pas n'importe quelle voiture, je vous dis. J'ai envie de rentrer. Pour de vrai. Une Mercedes, c'est mieux. Mais en même temps, Mercedes n'est pas comparable à Rolls-Royce. Tu vois, ils veulent, je pense qu'ils veulent préserver leur... Ah, ok, ça, je la connais. Ça, c'est la... Attends. C'est la Phantom, je pense, celle-là. Non, la Phantom, elle est là-bas. Ça, c'est la Ghost. Ça, c'est Phantom. On va voir, on parie. Phantom. Non, vois, Provenance. Oh, ça, je connais pas. Mais j'aime comment il est courbé, check. Non. On va rentrer. Chef. What the fuck? Non, je vais rentrer. Non, si on m'amène en prison, c'est un mois que je l'aime. Oui, il faut pas. Juste, assieds-toi, mais... Tu peux checker, ouais, vas-y. Vas-y, t'es petit, bro, ils vont rien faire. J'ai juste peur que les larmes se déclenchent, c'est tout. Mais il a dit si on ouvre la porte. Assieds-toi et je prends une photo. Fais sûr que tu veux prendre une photo. Fais sûr que tu prends une photo. Allez. Yeah. Touche le volant. File le volant un peu. Hein? Il stresse. C'est nice, hein? Ouvre pas, hein? Ils ont dit de pas. Ah, c'est vrai, ils ont ouvert tout à l'heure. Attends, bijou. Tiens. Check le prix. Viens voir, les gars, regardez-moi ça. 612 541 $. Dites-vous que dans toute une vie, il y a des gens qui ne font pas ça. C'est plus qu'un demi-million. Dites-vous, dans toute une vie, il y a des gens qui ne voient pas cet argent-là. Il y a des gens qui taffent, mais ils ne voient jamais 612 000 $ de toute leur vie. Elle est belle, hein? Spectre. Oh, elle est belle. Ouais. Quoi? J'ai pas vu le price. Bijou, si on a vu 600 000 $, t'étais choqué. Me dis pas que celui-là, il atteint le. What the fuck? Comment on faisait des courses, bro. Ils nous laissaient rentrer dedans et tout. Mais ici, ils nous laissent pas. Mais en même temps, avec le prix, c'est compréhensible. En même temps. Les Mercedes, on est rentré dans une G-Wagon du Nord. Ah ouais, 200 000 $, c'est vrai. 300 000 $. Non, c'est 200 000, non? 300 000. Les gars, je vais vous mettre en perspective. Il y en a qui ne font pas cet argent-là toute leur vie. Ok, ils le font, mais ils ne voient pas cet argent-là. Ils ne voient pas 600 000 $. 600 000 $, on peut le faire en. Attends, c'est lui, Rolls Royce. S'il y en a qui font 50 000 $ par année, 50 000 fois 10 ans, 10. Il y en a qui font genre 10, 12 ans pour pouvoir voir cet argent-là. Ils ne le voient même pas pour faire cet argent-là de toute leur vie. Et ça, il y en a qui achètent des voitures à ce prix-là. Oh. Tu vois, si c'est Rolls Royce. Ça doit être lui. S'il y a une photo de lui là. Et qui est créateur? Ah, c'est lui? Même pas. Ça doit être sûrement un créateur. Ouais, un des créateurs. Un des créateurs, ouais. Oh, il y a aussi des étoiles en haut. On n'a pas vu les voilà, étoiles. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, oh my god, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Check ça. Check en haut. Ici, ça, c'est pour les présidents, ça. Ah, ça. Check ça. Check en haut. Check comment c'est beau, bro. Ah, c'est une tablette. Chef. Montre. Il y a deux tablettes. What? Il y a un truc à manger carrément. Ça, c'est nice. Waouh. Cette Rolls Royce là, ok? Celle-là? Hein? Je vais chercher une meuf avec ça. Bon, elle a un bébé. Bon, c'est parti. Où sont les étoiles? Recule. Tu peux t'asseoir? C'est quoi le sentiment? Comment? Pourquoi? Répète. Je me sens riche. Tu te sens comment? Riche. Attends, bouge pas, je vais voir comment t'es. Attends.
Monsieur Bijou. Imagine aller chercher Bijou en Rolls-Royce à l'école. Même pour louer, c'est cher. Ouais, bon, pour louer, tu as besoin d'argent. Et Monsieur Junior, Monsieur Junior, ça va? Ça va, et vous? Que faites-vous comme travail? Pour... Qu'est-ce que je fais? Je travaille, je grind. Il faut travailler dans la vie. Mais vous faites quoi pour avoir une Rolls-Royce? Une Rolls-Royce? Mais tu peux voir, ah, c'est pas des étoiles. Dans mon autre Rolls-Royce, c'est des étoiles. Mais qu'est-ce que je fais? Je vis. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ont des Rolls-Royce qui conduisent eux-mêmes. Mais si je prends une Rolls-Royce, je pense que j'aurai un chauffeur. Non, attends, touche le volant, mais avec ton... Mets ta fesse comme ça, ouais. Oh. En plus, c'est une 2019. Oh, shit. Les gars, la meuf qui nous a dit de ne pas rentrer dedans, elle était juste devant. C'est pour ça que je s'est levé et il s'est cassé. Moi, j'ai vraiment aimé la McLaren. McLaren, là? J'ai envie de rentrer dedans, mais c'est impossible. Yeah, on peut pas. C'est une un femme? Un papillon femme. Attends. Un papillon femme. Une femme, ouais. Papillon. Elle a des ailes, genre. Ça, ça vaut 2 000 $. Juste ça? Ouais, c'est vrai. En plus, dès que tu démarres la voiture, ça rentre. Non, ouais. Ouais. Mais c'est, alors, c'est pas sécuritaire. Quelqu'un vient, il voit ta Rolls-Royce, il dit, oh, j'ai cassé ça. Vas-y, c'est rien. Relax. Tu te sens riche? Il y a même un chauffage. Purée. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis si tu vas te sentir plus riche. Après, teste-le seulement. Ok, je vais tester. Oh, on peut activer les étoiles. Viens voir. Ici. Ici, dessus? Non, t'es fou. Pourquoi? Comment, pourquoi? Là-bas. Avec la Kirin qui va nous appeler. Là-bas, comment ils l'ont fait? Ouais, sûrement, c'est eux qui l'ont activé. Les et juste là. Bah, on va pas le faire, on va pas le faire. Je vais faire. Ok, vas-y. Attends, moi, je vais d'abord. Va pas l'activer. On va appeler la police sur toi, vous. Vas-y, je vais essayer ici pour voir. Non. Appuie. Ma bitch. Ça marche ou pas? Ma bitch. On a oublié le plus important. Ok, c'est pas le plus important, mais j'ai un détail. Quoi? Je vais te dire tout à l'heure. Rien. Essaye d'activer encore. L'étoile? Ouais. C'est bon. On stop. On touche plus. Ils vont prendre des entraînements. Bon. C'est... Oh non, ouais. Oh ouais, t'as raison. Oh, you're right. Tu sais ce qui est ouf? Oui. De quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Je disais quoi déjà? Le truc le plus important, on a oublié. Ah ouais, le truc le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Mais peut-être que tu sais pas, mais bon, regarde ça. Viens voir. C'est quoi? C'est pas ça? Dans les ressources, il y a toujours un parapluie. Ça vient toujours avec. Tout ça, ça va sonner, bro. Ça vient avec toutes les Rolls-Royce, check. Un parapluie Rolls-Royce, ça vient toujours avec. Donc, si dans ton école, jamais tu vois un parapluie Rolls-Royce, dis-toi que la personne... A une Rolls-Royce. Son père a... Ouais. C'est motivant, tout ça. Tout ça, c'est... Ça motive. Même si moi, personnellement, je veux pas acheter de Rolls-Royce, je pense. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour le moment, je suis pas le compte que j'ai l'argent aussi. Je suis pas le compte que j'ai l'argent pour ça. Mais c'est juste motivant de voir ça parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment s'acheter des choses comme ça dans ce monde. Il y a vraiment des gens qui peuvent se permettre d'acheter des choses comme ça. Bon, c'est pas vraiment quelque chose que je vais acheter, mais ouais, c'est motivant et tout. Ça force vraiment à travailler, à aller loin, quoi, à se dépasser parce qu'il n'y a aucune limite dans la vie en fait. Il n'y a aucune limite. Tu peux vraiment aller haut. Tu n'as pas de limite. Mais il y a quelque chose que j'ai vu là-bas, là, je vais le voir. C'est ça que je vais lire, le texte. Là. Donc voilà, c'est le créateur. Maintenant, écris ça. Écris ça. Sir Henry Royce. C'est lui ou pas? Ouais, mais ça date. Henry Royce. Bon, on y va. Attends, essaie de comprendre ça avant qu'on y aille. Les petites choses font la perfection. Mais la perfection n'est pas... Une petite chose, ça fait du sens. Ça veut dire quoi ça? Regarde, dans la vie de tous les jours, les petites choses font la perfection. Par exemple, tu te réveilles tôt, tu travailles
tu fais tout, toutes les petites choses, tu vas courir, tout ça. Là, plus tard, tu deviens riche. Là, tu es devenu la perfection. Est-ce que la perfection, c'est une petite chose? Lui, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui, mais c'est pas ce qu'il dit, les gars. Donc, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire. Je vais le relire. Small things make perfection, but perfection is not a small thing. It's not a small thing. Donc, les petites choses font la perfection, mais la perfection n'est pas une petite chose. Dites-le dans les commentaires, ça veut dire quoi selon vous?